somebody want. Told me the world is gonna run. Bonjour à tous, ici Retro et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Obscur Clan. Aujourd'hui c'est une vidéo bien particulière car le nouveau player de l'Obscur Clan, Célestron, nous a sorti un gameplay de taré. C'est un record solo aujourd'hui en KO domination. Il nous a sorti le 138 kills en solo. C'est tout simplement un record français, je le dis plusieurs fois parce que c'est très très important. C'est le record français pour le moment en solo, je le répète bien. Et aujourd'hui, pour accompagner ce magnifique gameplay, encore une fois, GG à toi Célestron, on va parler de ces différentes choses qui, encore une fois, un peu de l'actualité Black Ops 4 hein, aujourd'hui. Premièrement, si vous jouez au jeu, vous savez très bien, et si vous êtes assez attentif à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que Treyarch a décidé, en écoutant la communauté, de retirer cette mise à jour des spawns. Donc les spawns sont restés intacts et en fait, la mise à jour a été éradiquée, les spawns sont redevenus comme... avant le patch où tout le monde s'est plaint, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Mais aujourd'hui, là n'est pas non plus le sujet principal car c'est quand même une bonne nouvelle. Mais à chaque fois les sujets principaux sont des mauvaises nouvelles, on est habitué à force. La LMG, Titan et VKM 750 sont omniprésentes. Dans le jeu, on avait il y a de ça deux semaines la Vapor, la Maddox, la Rempart, la ICR. Et aujourd'hui, maintenant, c'est la Titan, c'est les batteuses. Les LMG, les batteuses, les batteuses, les batteuses, les batteuses. Que ça, tout le temps, les batteuses, les batteuses, les batteuses. Il n'y a que ça. En MME, en EC. Je vais pas vous mentir, moi aussi, je les ai joués pour les monter forcément en diamant. Mais il y a même des gens qui y jouent sans forcément les monter en diamant. Donc c'est tout le temps les batteuses, les batteuses, les batteuses. En MME, en EC. En domination KO. En tous les modes. Même en point stratégique ou en recherche et destruction. Hein, surtout en recherche et destruction, ça m'a choqué. Il y a tout le temps des LMG. C'est tout simplement. Ouf, enfin, je comprends pas comment on peut prendre du plaisir à jouer avec une arme qu'on a déjà montée ou surtout si c'est une batteuse. Hein, moi, je prends pas de plaisir en tout cas à jouer avec cette arme. Et c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce sujet d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même super important d'en parler. Il y a beaucoup de gens qui sont plaints. Apparemment, d'après eux, Black Ops 4 est pire que World War 2. Alors, pour moi, Black Ops 4 sur le papier est un des meilleurs Call of Duty sur le papier, je le dis bien, parce qu'on avait quand même des bonnes armes, des bonnes maps, un jeu qui était quand même alimenté chaque semaine, hein, faut dire la vérité, hein, le marché noir il a été implanté vite, y a eu tout ce qui a été demandé par la communauté a été implanté rapidement dans le jeu. Moi je vais vous donner la raison pour laquelle le jeu est un peu en retard. C'est simplement parce que vous savez d'habitude les jeux Call of Duty, vous avez l'habitude, les opus de Call of Duty sortent tout le temps au début du mois de novembre, tout le temps. Depuis, je crois, le début de la réussite, hein, Call of Duty 4 et tout est sorti en novembre, je crois, ou quelque chose comme ça. Et depuis, tous les Call of Duty sortent en début novembre ou fin vraiment octobre. Mais cette fois-ci, Activision a pressé le studio Treyarch et les ont obligés à sortir le jeu pour un motif financier, stratégique, tout ça, le 12 octobre. Ce qui a donc coupé l'arbre sous le pied de Treyarch et... Vous savez, le jeu aurait dû sortir aujourd'hui. On est le 5 novembre, c'était à peu près la période, le 4 ou le 6. C'est un peu la période où sortent les Call of Duty. Mais vous savez que si le jeu était sorti aujourd'hui, eh bien, Treyarch avait l'intention, en tout cas, eh bien, d'implanter directement le marché noir au début du jeu. C'est-à-dire qu'on aurait déjà eu les spawns d'aujourd'hui, on n'aurait pas eu 40 000 mises à jour sur les spawns. Faut savoir que le jeu il aurait dû encore être développé et peaufiné pendant un mois. Hein. Vous savez que le jeu est sorti un mois avant. Donc déjà dites-vous ça. Dites-vous qu'il leur faudra déjà un mois pour tout restabiliser. Moi c'est pas pour défendre ou quoi, mais pour moi c'est mon point de vue. De mon point de vue, ils ont de quoi se défendre. Ils ont de quoi dire oui mais totalement, oui mais on a ok le jeu est en retard, mais il faut savoir qu'on l'a sorti trop en avance et qu'on n'était pas prêt. C'est à peu près tout pour ce sujet. Pour finir, je pense qu'on va
finir, voilà, si vous avez, dites dans les commentaires ce que vous pensez des LMG, donc des batteuses, hein, ça c'est le nom en anglais. Dites ce que vous pensez des spawns, dites ce que vous pensez d'ailleurs, et n'hésitez pas franchement à féliciter de toute votre force le player Célestron. Franchement, je trouve pas les mots, mais le gameplay 138 kills, c'est un record, vous vous rendez compte, c'est un record solo. Y a rien à dire d'autre, en tout cas, je vous laisse faire le taf. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, c'était Rétro. Peace.